Bonjour à tous. Le continent africain possède des ressources naturelles exceptionnelles dans les gisements de minerais, dans l'énergie et dans l'hydroélectrique. Malgré ce potentiel énorme, l'Afrique est l'unique continent condamné à crier famine sur un tas de trésors. Chaque année, des tonnes de matières premières sont exploitées par des multinationales étrangères, au grand mépris même des plus grosses compétences locales. Existe-t-il une solution locale pour améliorer cet état de choses ? Nous en parlons dans le cadre de cet entretien exclusif avec Ernest Tiakounté, professionnel du négoce des matières premières, conférencier international et surtout promoteur et responsable des entreprises Groupe Alliance Golf Sahel, de Startup Pan, de B2Life, de Saveurs du Sahel et surtout de Free Network et Comotron. Monsieur Tiakounté, bonjour, merci d'être avec nous, merci de répondre à nos questions. Bonjour Monsieur Romaric Penda. Merci infiniment. Alors, d'entrée de jeu dans cette interview, c'est ma toute première fois de voir un spécialiste dans le négoce encore des matières premières qui décide de prendre la parole au vu et au su de tout le monde. Le négoce qui est donc un système ou alors un fonctionnement assez particulier que beaucoup d'Africains ne parviennent pas à comprendre, mais qu'il faudrait, ma foi, peut-être d'entrée de jeu dans cet entretien, définir. C'est quoi le négoce ? Qu'est-ce que c'est que le négoce ? Déjà, merci Monsieur Romaric Penda de m'avoir invité. Vous savez, je n'ai pas toujours ce temps et il a fallu que vous insistiez beaucoup pour que je puisse donner une définition approximative du négoce. Selon le dictionnaire, le négoce est une activité commerciale à plus ou moins grande échelle. Oui. Mais nous, les négociants, ceci, ce que je vous dirais est un secret. Le négoce des matières premières est l'activité économique la plus lucrative au monde. La plus lucrative, dites-vous. Ouais. Je vous le dis et je redirai encore, le négoce des matières premières est l'activité économique la plus lucrative au monde. Je vous explique. D'accord. La majorité des activités, la majorité des mouvements géopolitiques et géoéconomiques qui existent dans le monde ont pour instigateur des négociants. Des négociants, pas le négoce. Exactement. Donc, c'est en un mot ce que je donnerais comme explication sur le négoce. Alors,